Bonsoir YouTube, aujourd'hui on est avec ma soeur, on a fait récemment un concept que vous avez plutôt aimé. On avait dit dans les dernières vidéos qu'il fallait inverser les rôles. Aujourd'hui on a inversé les rôles, c'est à toi de nous poser les questions, voir si je te connais vraiment. Faut savoir que je suis vraiment une grosse bite pour retenir les choses. Moi tu me dis qu'est-ce que j'ai mangé hier soir? Tu as mangé un moi, je sais pas. Fondu. On va pas rappeler le concept de cette vidéo, on l'a déjà fait sur cette chaîne. Vous allez juste aller voir au pire, vous pouvez nous ajouter sur Instagram, voilà tout en description. Quelles questions as-tu à me poser et est-ce que c'est dur? Déjà t'en as combien? J'en ai 10. Ok, très bien. J'ai 10 questions, donc genre c'est assez simple en fait. C'est genre, Ok, mais j'ai pas envie de faire cette vidéo en 2 minutes. Elle a sorti le gros jeu. Alors je vais commencer genre par une question genre hyper simple. Quelle est ma couleur préférée? Le bleu, merci. Bah voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. Quel est mon repas préféré? Tu te fous de ma gueule, dès que t'as un plat de bouffe, tu bouffes. Mais non, mais j'ai peut-être genre un plat genre préféré. En genre fait, tu reprends mes questions aussi. T'as regardé mes vidéos, t'as pris les mêmes questions? Non. Mais la couleur, je l'avais demandé. Bref, est-ce que t'as un repas préféré? Quand il y a du fromage, c'est bon. Raclette, t'aimes bien, de ouf. Ouais, mais genre, mais frère, à chaque fois qu'on a un plat avec papa, maman, planche à raclette, hamburger, oh, c'est trop bon, c'est trop mon plat préféré. Non, mais comment tu veux que je sache? Et bah, mais genre, moi, j'ai répondu à des questions, genre, voilà, tu dis, genre, ce que j'aime, genre, par-dessus tout. Du fromage. Mais bah non, j'ai pas de repas préféré. Ok, donc t'es en train de me dire que t'as copié la même blague que moi j'ai fait dans ma vidéo. Mais c'est pas une blague. Non, c'est une blague. C'est pas une blague. Bah, moi, c'était une blague. Bah moi c'est pas une blague. Bah c'est pas drôle. Quelle est mon indispensable beauté? Indispensable beauté? Oui. Bah les yeux, tu te fous tout le temps des trucs comme moi. Bah le maquillage. Mais non mais... Forcément. Quoi un maquillage? Quoi mais... Bah non mais genre il y a un truc genre que j'aime par dessus tout. Le highlighter. Oui je sais mais non. T'as des yeux aussi, c'est à dire qu'il y en a plusieurs. Le rouge à lèvres. Ouais. Quel est mon film préféré? Je ne sais que je t'aime bien. Mais à un moment faut avouer que tu regardes 45 films, que tu regardes 46 séries. Un truc que j'adore vraiment. Harry Potter. Bah non. Non mais genre le film que j'adore, genre que je pourrais regarder, les genre fantastiques. Et qui me fera toujours autant rire. Les animaux fantastiques. Non. Les tuches. Non. Les visiteurs. On part sur des films de très haute qualité. Ah ouais, non mais genre un film américain. Déjà c'est avec Bradley Cooper, c'est Very Bad Trip. Tu savais? Parce que direct, je m'en suis rappelé, genre. Bah, du coup, j'allais te dire quel est mon acteur. Bradley Cooper. Ouais. Mais en fait, c'est quoi tes questions? Bah, tu me dis, pour des questions, genre. Non, mais j'ai répondu à deux questions dans une réponse, genre. Bah, oui, mais c'est pas de ma faute. Quelle est ma série préférée? Étant donné que je m'en branle des séries, qu'il y en a 40 000 sur Netflix, j'en sais rien. Non, c'est même pas une série que je regarde sur Netflix. Mais je connais aucun nom de série, genre, même les noms d'acteurs, je connais rien. C'était Supernatural. Il fallait juste me tourner ton thème. Bah non, le but c'est que normalement t'es censé me connaître. Hein. Oh bah ouais, tu crois que ça m'intéresse? Quelle est... Tu me fatigues. Ma chanteuse préférée. Demi Lovato. Et à H24, il y a des trucs sur Instagram, wesh. Tu m'as pris pour... Combien j'ai de tatouages? Non, par contre, là... Déjà, t'en as deux, là, J'hésite entre 6 et 7. T'en as 7. Eh bah non. T'en as 6. Non. T'en as 8. Ouais. 1, 2... Mais j'avais raison. 3, 4... Ah oui, c'est vrai. 5, 6... Ah, t'en as 2. 8. Non, je t'ai bien eu sur cette... Devine combien j'ai d'orteils. 9. Non, j'en ai coupé un de tiers. À quel âge et pour quelle occasion? Attends, je me là c'est deux questions en une. Fracturer le coude. Tu m'as pris pour le gars qui avait aucune intelligence. On en a reparlé actuellement il y a 2 semaines quand il y avait Marilou. Alors occasion, c'était pour mes 1 an, je peux te préciser ça, c'était à midi, tu aurais pu demander l'heure aussi, à midi, et à quel âge, donc, comme j'avais 1 an, donc t'avais 3 ans, donc t'avais 3 ans depuis 3 mois. Ouais, c'est ça. Et je suis restée combien de temps à l'hôpital? T'es restée 5 jours. À un moment, faut arrêter les conneries, j'ai envie de dire. Quelle est la plus grosse chute qu'on ait eue? Le bâtard, il a regardé. Quelle est la plus grosse chute qu'on ait eue en même temps? Pourquoi d'après des questions où j'étais dessus? Forcément, je me rappelle, c'est quelque chose qui m'a marqué. Oh my god, la plus grosse chute. Oh. Ah putain, c'était en trottinette chez papy et mamie. Ah. On s'est cassé la gueule parce que j'ai dit qu'il fallait freiner. Ouais. Déjà, c'était de ma faute. Grave. Mais après, t'as freiné en la première, je voulais voir ce que ça faisait. Est-ce que j'ai déjà été blessée par ta faute? Je t'ai jamais touché. Je sais que tu vas dire oui, que c'était de ma faute et que tu t'étais pété quelque chose. Parce qu'on en a reparlé aussi avec Marie-Lou et t'avais dit c'était de ta faute. Mais je sais plus, mais tu t'es ouvert ou cassé quelque chose, je sais plus. Je me suis ouvert l'orteil. Bah, je sais à cause de toi. C'est ton problème, écoute. Parce que tu me courais après comme un débile. Quel est mon sport préféré? Mais genre, ouais. Je raconte des questions qui... Non, mais déjà... Des questions genre... Je fais pas de sport, comment je peux savoir ton sport préféré? Mais si. Ah, t'as du rouge à lèvres sur la dent, le zone con, tu vas plus t'appliquer. Et après tu dis c'est ton truc préféré, ton indispensable beauté, la fille elle sait pas en mettre.
T'as pas le sport, à part le taïso, je sais pas ce que tu fais de plus. Hein. Dormir, c'est du sport aussi pour toi. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo avec les personnes à qui j'ai posé des questions, c'est-à-dire ma mère et Marie-Lou. C'était bien drôle, c'était humoristique. Très... Quoi? C'était de l'humour. L'humour très très noir. Bref, je vous laisse, ciao. La bise. La bise.